Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle séance avec Jilika. On va reprendre un petit peu notre idée du montoir. La séance dernière a été coupée parce qu'il n'y avait plus de batterie dans la caméra. Et en fait, ce qu'on a fait à la fin de séance, c'est juste qu'on a refait quelques petits changements de direction rapides. On l'a fait roter un tout petit peu et ça s'était bien passé, du coup on a laissé sur ça. Là je l'ai un peu saoulé avec les longues graines, donc on va pas lui demander plus. On va revoir notre idée de montoir, on va voir comment ça se passe. Et puis le but, là j'ai oublié ma bombe malheureusement, je voulais passer la jambe et tout mais j'ai pas ma bombe donc je vais éviter de faire le gourmand. Le but ça va pas être d'aller plus loin dans le fait de monter, mais ça va être de refaire à peu près ce qu'on a fait la dernière fois en essayant toujours d'améliorer et en cherchant surtout à avoir de plus en plus de décontraction. Car ce qui va nous aider avec elle, c'est cette décontraction. Qu'elle comprenne que avoir un humain sur le dos, c'est serein, c'est calme, il n'y a pas de quoi s'affoler. Et même que ça peut être très cool pour elle. Fais une sieste? Hein, on se réveille? Allez, on se réveille, ma belle, on y va. Et voilà. Ok. Ok. Oui. Oh. Yes. Très bien, ça, ma belle. Voilà. Et là, idéalement, j'aimerais bien trouver un petit endroit de gratouille qui lui donne vraiment, vraiment très envie de rester. Mais je dis nickel, les gratouilles, c'est pas trop son truc, hein, ma belle. C'est pas le meilleur truc du monde pour la jument. Ça dépend vraiment. Ah, là, on a peut-être un endroit intéressant. Ouh, on a un endroit intéressant ici. Ouh, non, 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 non. Ouh, on a un endroit intéressant ici. Oh, non, 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 non. Oh, non, 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 non. Oh, j'ai plus des chines d'écran. Oh oui. Voilà. Ouais, super, c'est ma belle. Voilà. Voilà. Voilà, c'est pas grave. Je vais la replacer. Oh. Ah, non, un petit peu. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est bien ma belle. Le but, ça va être essayer de venir faire un jeu sans pour autant la blaser. Ça va être difficile parce qu'en même temps, j'ai besoin de la garder en liberté pour vraiment qu'elle reste volontaire et acteur. Mais en même temps, il faut de la répétition pour que ça rentre et que ça mûrisse un petit peu. Mais en même temps, il ne faut pas non plus la blaser vu qu'on est en liberté. Donc c'est un équilibre entre trouver de la répétition et réussir à mettre un petit peu d'amusement. Donc on va voir un petit peu si on peut pas faire un petit peu de liberté à côté aussi. J'ai pas forcément voulu le filmer, ça c'est plus pour la séance, mais... Ouais! Très très bien! Et là le but c'est vraiment de l'ancrer, voilà, avec moi c'est bien, avec moi c'est bien. Reste un maximum avec moi. Là pareil, vous voyez, je vais juste y aller et juste essayer de proposer. Ok, on va faire un test, on va juste la laisser faire son tour et voir si elle revient. Bon, je vais pas la laisser non plus faire son abruti à tourner en rond dans le manège pendant une demi-heure. Voilà, on vient, voilà. Voilà. Oui. Ok, on va se placer. Ouh. Encore. Voilà, c'est bien. C'est bien, ma belle. Voilà. Oh, fin de l'effort, ma belle.
Un effort. Voilà. Voilà. Je vais la reprendre parce que là, faut qu'elle arrête un peu et voilà. Bien. Oui. Ah. Oui. Ouais, ça c'est bien. Ouais, c'est bien. Voilà, ma belle. C'est bien ça. C'est très bien. Ouh. Tchou. Y va? Ouais. Doucement. Oui, ça c'est bien. C'est très bien. Voilà. Voilà, tout va bien. Voilà. Voilà. C'est très bien. D'accord. Tout va bien. Ok, c'est pas grave. Par contre, je punis le fait qu'elle parte si j'ai pas autorisé. Juste besoin de la chasser. Voilà. C'est bien. Voilà, super. Fin d'effort. Non, 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 non. On ne fouille pas. Voilà. Doucement. Oui. Voilà. Oui, super bien. Très bien ça. C'est bien. Ok, très bien. Ah déjà, le problème c'est qu'elle est grande et moi je suis pas souple. Donc les deux réunis c'est compliqué. Mais ça va, c'est bien. Ouh, oui, c'est bien. Oui, voilà. Voilà, super ma belle. On peut manger le bonbon.
Juste lui montrer que tu peux te détendre. Ok, ça c'est bien. Elle a bougé pour les mouches. Ouais, super. Elle a bougé pour les mouches. Et du coup, bah forcément, comme j'étais sur son dos, j'ai bougé vu qu'elle a bougé, ce qui est logique. Et ça va, elle s'est plutôt. Elle est bien. Mais elle a encore un peu de mal, hein. On voit, de toute façon, là, tant qu'elle n'arrivera pas à se décontracter comme ça, quand je monte sur elle, c'est pas la peine de venir mettre la selle et de chercher à monter dessus. Ce serait juste inconscient et con. On va refaire une petite fois. Je vais me mettre sur elle en sac à patates, on va essayer. Alors évidemment, si vous faites ça chez vous, faites-le avec une bourbe. Moi, c'est juste que je suis con encore une fois. Mais ça va être le but, quoi. Puis on va refaire aussi un petit peu sauter à côté et se mettre sur elle, on va essayer. Voilà, c'est bien. Non, décaler les hanches. C'est pas bon, ça. On repart. Oui, ça c'est bien. Oui, très bien, ma belle. Voilà, c'est bien, ma belle. C'est très bien, ça. C'est super. Eh oui, c'est super, super. Super, jument. Ok. Oui, tout de suite, je vois qu'elle se tend, je recule. Et elle sort des contractes. C'est ça, être à l'écoute du cheval, en fait. C'est regarder. Hop. Elle se tend. Là, elle n'est pas disponible, ça sert à rien. Et elle est tendue, je vais reculer. Elle sort des contractes. C'est juste ça, être à l'écoute du cheval. Hein. C'est pas faire des trucs bizarres. C'est calibré. Ok. Voilà. C'est bien. Hop. Voilà, je suis en train de faire un exercice qui est complètement con. Voilà. Même chose de l'autre côté. Super. Ok, très bien. Ok, très bien. Super. Voilà. On y va? Il reste là chez moi? Ouh, j'avais peur. Oh. J'avais peur. Ok, c'est bien ma belle. Alors certes, certes, je reste plus en plus longtemps dessus, même si je pense que je compte toujours plus vite dans ma tête que dans la réalité, mais ça je pense que c'est tout le monde. Mais c'est encore tendu, et ça me pose problème. Le problème, c'est que Jilika, pour la décontraction, elle a besoin de mouvement. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je me mette en sac à patates et qu'il y ait du mouvement. Sauf que je sais que si je fais ça actuellement... Je meurs. Donc, on va pas faire ça tout de suite. On va essayer de bombarder cette étape-là. Bombarder pour qu'elle se dise, OK, là, elle a compris que c'était pas dangereux. Elle a compris que ça allait pas la tuer. Mais dans la phase où elle tolère, ça lui fait encore très peur. Maintenant, faut essayer de la faire basculer dans la phase de, OK, j'ai compris que ça allait pas me tuer. Ça me fait plus peur. C'est juste chance qu'Alexis me dit, mais au moins j'ai des bonbons. Et tant qu'elle n'est pas dans cette phase-là, ça sert à rien d'aller plus loin. Donc, on va répéter. Un hein, choupi. Alexis, des idées bizarres toujours dans les séances. Hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi tu me regardes comme ça? J'ai moi qui fais peur. J'ai fait très peur, Alexis. On est prête? On est prête? Oui? Ok, on y va. Ouais. Est-ce qu'on voit? Oui, on devrait voir.
Oui, très bien ma belle. Excellent ça. Très très bonne jument. Très très bonne jument. C'est bien. Bravo ma belle. Je suis fier de toi. C'est super. C'est super ma belle. Allez, on s'arrête. On s'arrête sur ça pour aujourd'hui. C'est parfait. On s'arrête là. Donc voilà, je suis très content parce que il y a quelques mois, toutes les fois que je faisais ça, c'était boum, explosion, boum, explosion, boum, explosion. Et là, ça fait plusieurs fois qu'on le fait qu'on a plus d'explosion. Et donc, ce qui est bien. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'explosion que la jument elle est confortable. Elle est encore inconfortable, mais elle a compris que ça n'allait pas la tuer, mais ça lui fait encore très peur. Et du coup, bah, ce qu'il faut là, c'est répéter et réussir à mettre de plus en plus de confiance et de décontraction. Mais c'est comme ça qu'on va arriver. Après, il y aura des moments encore difficiles. Hein. Elle va sûrement encore exploser par moments. C'est normal, il y a du traumatisme qui est en jeu. Mais c'est très bien. Hein. C'est très, 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 très bien. C'est très, très bien. C'est très très bien. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.